Notre première réaction est de condamner vigoureusement ce comportement criminel de la police tanzanienne parce que elle était censée protéger les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie en collaboration avec les autorités tanzaniennes. Mais leur rôle est devenu un rôle criminel d'assassiner un citoyen pour défaut de paiement de rançon, ce qui est gravissime. Un autre élément à souligner, c'est que la Tanzanie, en tant que pays hôte, est obligée internationalement de protéger tous les réfugiés qui sont retrouvés sur son sol. Et ce que font les autorités tanzaniennes est totalement contraire à la législation internationale en rapport avec la protection des droits des réfugiés, et plus particulièrement la Convention de Genève de 1951, qui précise que tous les réfugiés qui sont dans un autre État doivent être protégés dans leur dignité, dans leur intégrité physique, mais ce que font les autorités tanzaniennes est condamnable à plus d'un titre et nous savons que les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie sont le plus souvent malmenés et l'exemple est que ce réfugié qui a été assassiné par la police tanzanienne était en train de fuir la répression qu'il subissait sur le sol tanzanien comme la plupart d'autres citoyens burundais. Nous condamnons donc encore une fois ce comportement des autorités tanzaniennes et nous demandons qu'elles puissent prendre toutes les mesures nécessaires pour que des investigations indépendantes soient menées et que les coupables soient sans conformément à la loi, tandis que le droit international doit être appliqué pour protéger les réfugiés burundais qui se retrouvent sur le sol tanzanien. Nous demandons également au HCR, mais aussi à toutes les autorités de la République d'Inuit de Tanzanie, de pouvoir faire cesser toutes ces violations graves du droit humanitaire international pour que la protection des réfugiés burundais soit effective.